Que bon Dieu continue, bénis-nous et fortifiez-nous, gardez-nous. Et le Seigneur est tellement bon, nous, bien-aimés, il a toujours fait provision de parole pour nous. Et bon Dieu, servit avec serviteur, lui. Et chaque mois, on a gagné un thème et un sujet pour que nous mangions ensemble. Et c'est ça que fait nous demander à chaque monde qui souligne là pour garder, pour faire le bon dépôt. Je, si vous pas serré, vous pas qu'à chauffer. C'est serré pour serrer, pour les moments arrivés, vieux temps, mauvais temps, eh bien, sortez serré pour aller, pour capable chauffer. Maintenant, bien aimé, autour de thématique ça, la bienveillance que nous joignons dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. L'Éphésiens, chapitre 1er, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein et parce qu'il avait formé en lui-même. Le bienveillant dessein, le bienveillant projet, plan que lui gagne pour nous. Maintenant, bien-aimé, bon Dieu, la former nous. Nous sommes vraiment à l'école du maître, du Seigneur. Et parole ça, il y a bon bouquin nous. Les nous garder bien-aimés, grands-parents nous, Adam et Ève, eh bien, suite après déclin ça, eh bien, nous pourrons aller connaître péché et péché ça peut aller étonner et maintenant la vie famille ça nous pourrons voir que deux petits ils pourront gagner et ben on pourra voir une pour aller une pourra gagner encore envieux encore jaloux et pourra porter atteinte à la vie. C'était le cas de Caïn face à Abel. Et nous avons compris, en fait, premier meurtre, crime que la terre connaît, eh bien, c'est famille ça qui épousait lui. C'est famille ça qui donnait lui à Adam et Ève. Caïn vint mon cœur envieux, dans Genèse chapitre 4, mon cœur envieux face à Abel, ou qu'on y soit là déjà, eh bien, il a tué frère lui. Eh bien, depuis là, ouais, ça a passé, et à travers le monde, ça a ouais, qui dégâts que péché ça, et virus ça, microbe ça, eh bien, l'a fait dans le monde, bien aimé. Et pas oublier, bon Dieu, t'es créé nous avec un cœur bienveillant. Un cœur bienveillant, un cœur affectueux. Même genre expression, l'homme bienveillant, c'est avoir en fait un bon œil. C'est avoir de bon œil. C'est avoir les yeux qui reflètent. Et les sentiments d'un cœur affectueux, eh bien, nous voyons que quand il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de cœur bienveillant face à son frère, Abel, à tel enfer où qu'on y soit là, c'est pour atteindre la ville. Maintenant, bien-aimé, nous comprenons la Bible brésilienne dans Proverbe chapitre 28, verset 22, il brésilien. Un cœur envieux a hâte de s'enrichir. Vous comprenez? A hâte de s'enrichir.
Et les orgueux cœur comme ça, eh bien, il n'y a pas de cabaye bon don, bien aimé. Il n'y a pas de cabaye bon don. Et m'a dit au matin, le Seigneur fait provision pour un cœur comme ça. Et où tu es avec nous dernièrement, dans Proverbe 22, verset 6, il dit, ne mange pas. Et le pain, eh bien, de celui, eh bien, dont le regard est malveillant, Emmanuel, il ne convoite pas ses friandises. Ouais, bon Dieu, mettons interdiction là à nous-mêmes, à Sila Sayo, qui ont un cœur comme ça, un cœur malveillant, un cœur méchant, et même pour ne pas, et même mettre les yeux nous soit feyo. Bon Dieu, parle ça. Matin, bien-aimé, le Seigneur, les nous garder thématique là, les aider nous comprendre, bon Dieu, les aider nous comprendre que être bienveillant, c'est être agréé, c'est être valeureux aux yeux de Dieu, c'est être choisi, c'est avoir fait une bonne attention, une bonne intention, parce que bon Dieu nous est volontaire pour nous, ce n'est pas pour nous gagner un cœur malveillant, mais c'est pour nous gagner un cœur bienveillant, bien-aimé. Et maintenant, nous allons garder, puisque bon Dieu m'a dit, maintenant, et si nous sommes capables de dire, soyons bienveillants, ben soyez bienveillants, eh bien, aux yeux de notre Seigneur, eh bien, si nous regardons dans l'évangile de Luc chapitre 15, eh bien, nous comprenons que combien que bon Dieu, ça, son bon Dieu, eh bien, bienveillant. Nous regardons deux papas, ça qui gagne deux petits garçons, eh bien, il y en a là, d'un lever, un bon matin, il m'a dit, papa, eh bien, bien lit, bien parlé. Eh bien, bien salement de à qui ça doit faire. Eh bien, pour l'aller gaspiller. Hein? Pour l'aller gaspiller, bien-aimé. Gardez l'histoire. On va faire adaptation pour nous. Soit façon dans le créole. Eh bien, on va garder fond de texte là. Eh bien, c'était vraiment déchéance. C'était vraiment un désastre. C'était vraiment chagrin. C'était vraiment tristesse. Hein? C'était vraiment opprobre. Donc, côté jeune garçon, ça, qui quittait la caille, voilà que l'était bien. Voilà que l'était en bas bonté, bon Dieu. L'était en bas bienveillance, bon Dieu. L'était en bas faveur, l'était en bas miséricorde, bon Dieu. Eh bien, l'était déplacé, bien aimé. Et elle est arrivée, après avoir tout dépensé, après avoir tout gaspillé, eh bien, il va reconnaître famine, il va reconnaître misère, il va reconnaître disette, hein? Il va reconnaître disette. Vous voyez? Alors, et c'est ça, ouais, petit ça, c'était vraiment un lien étroit à entrer, mais il fait venir mon cœur envieux d'aller gaspiller. Ouais, eh bien, c'est ça que je dis tout à l'heure. Un homme envieux, on va dire, eh bien, et à 200 richesses, on va dire, et nous parlons garder respect là, le ça qui dit que, et il ne sait pas que la disette viendra, en fait, sur lui. Eh bien, finalement, on va regarder là que, eh bien, si ce produit parle qu'on est au moment vraiment désastreux, au moment douloureux, hein, au moment de disette, au moment de famine, eh bien, parce que lui échapper en bas l'amour bon Dieu, en bas bonté bon Dieu. Eh bien, mais comme nous connaissons bon Dieu, ça, j'en ai dit dans Lamentation chapitre 3, hein, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin.
compassion, bon Dieu, miséricorde, bon Dieu, le pardon de Dieu. Eh bien, finalement, ça va le passer. Eh bien, nous allons voir que, eh bien, fils prodigue pour aller vivre dans une situation, eh bien, de non-retour et les garder, comprenez bien, et ça le pas de jambe, eh bien, connaît, parce que l'aide de la qualité bienheureux. Et maintenant, bien-aimé, nous-mêmes qui la caille le Seigneur, bienheureux, bien-aimé, nous bien la caille le Seigneur, bien-aimé. Et expérience, eh bien, pour le fait, eh bien, et l'expérience négative que jeune garçon ça va le faire, bien-aimé, eh bien, et il n'y a pas même de permission pour te manger pour soyo, bien-aimé. Et nous, ça qui passe. Eh bien, conscience, li. Et c'est ça, oui, parce que c'était bien, la carbone, Dieu, puisse conscience, qu'on y a pas reproché, lui. Pas de remords, pas de regrets. Et qu'on y a pour aller retourner, la carbone, le Seigneur. La carbone, le Seigneur. Et bon Dieu, et Texa, explique que papa, ou pas recevoir, lui. Et c'était la fête, bien-aimée. Oh, oui, c'est vraiment une attitude, un comportement d'un père bienveillant, bien-aimé. Oh, il n'est pas rejeté, il n'est pas repoussé, bien-aimé. Oh, il fait c'est retirer tous les vieux vêtements, parce que c'est quand on a laqué col dans la prostitution, dans toute bagaille, si on t'a contextualisé ça matin, on t'a dit laqué col dans la drogue, dans toute bagaille que le Seigneur n'a pas pris plaisir. Et c'est là qu'on connaît échec ça. Eh bien, papa va le recevoir, papa va l'accueillir, bien aimé. Oh, matin, combien de monde qui quitte la caille, le Seigneur? Combien de monde qui échappe en bas bonté, bon Dieu, en bas volonté, bon Dieu, matin? Hein? Combien de monde qui échappe en bas grâce, bon Dieu, matin? Eh bien, le Seigneur cherche au monde qui souligne là. Le Seigneur voulait, eh bien, sauver matin. Le Seigneur n'a pas gagné plan pour perdre. Ah, oui, fils prodigue matin. Oui, monsieur Lengade, nous avons quatre verbes dans le texte qui marquent nous. C'est mourir. Ouais, monsieur fils prodigue. Ma oui, vraiment, il était mort. Eh bien, en fait, il était retourné à la vie. Oui, retourner la caille le Seigneur, eh bien, c'est retourner à la vie. Et puis, l'autre verbe, on croit que c'est perdre. Oui, perdu. Oui, effectivement, il était perdu. Il était perdu. Et puis, eh bien, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, là, Père bienveillant, en fait, c'est retrouvé. Maintenant, et si on monde, maintenant, ou t'es quand t'assister le Seigneur, ou t'es quand plonger en fait dans les eaux du baptême, ou t'es quand après cette scène, ou t'es quand dans toute activité, mais ennemi t'es quand pour mettre dehors, maintenant le Seigneur, demande pour tourner la caille. Tourner la caille matin. Ou le Seigneur l'a pas accepté au matin. Alléluia. L'a pas accueilli au matin. Oui, l'accueil du fils prodigue a été vraiment chaleureux, en fait, de par son papa. Son papa bienveillant. Bon, mais son papa qui était un bon cœur, un cœur affectueux, un cœur amoureux. Matéa, tout est là, le Seigneur, Matéa. M'a connaît qui situation qu'on a plongé, mais le Seigneur fait plan pour Matéa, pour tourner la caille, mais tout. Tout est là, le Seigneur, Matéa. Il ne fait pas fait plan pour perdre. Ouais, mais il n'a pas fait plan pour perdre du matin. Il n'a pas fait plan pour perdre du matin. On est plan salut, plan délivrance que je fais pour vous. Matin, au moins, ou bien doit sourire, mais en fait, nous sommes capables de sur le plan physique ou vraiment ou sourire. Mais en gardant en fait, sur le plan spirituel, est-ce que nous n'avons pas mouru? Est-ce que vraiment en harmonie avec le Seigneur? Est-ce qu'on est en harmonie avec la parole de Dieu? Oh, et c'est ça, Matéa. Dans le monde qui l'église, mais c'est quoi que l'église a? Mais non, il n'y a pas de rapport, pas de communion, pas de relation avec le Seigneur. Parce que nous, on considère le monde comme des morts. Maintenant, en fait, comme des morts spirituels. Bien que nous vivons. Matéa, nous enseignons au chaque bien-aimé, au chaque frère et soeur. Matéa, oh, me dit le Seigneur, à tout net.
dit le Seigneur voulait tourner, dit le Seigneur matin ou accepter tourner. Et porte là, lui ouvre pour vous. Et accueil que le Seigneur Kalbawa soit accueil vraiment, oh, vraiment cap chaleureux, avec un peu de chaleur. Matin, bien-aimé, oh, et puisque nous voulons parler au dernièrement, en fait, ça te fait plaisir lorsque Zamim t'a approché, oh, et vraiment côté David, moi, David, t'a frappé pour Kaï Saül. Et puis il a demandé, est-ce que par été, du monde la Kaï Saül encore? Ouais, mais est-ce que par été, ou l'autre pour la Kaï Saül pour te faire, ils ont bien fait? Oh, parce que nous avons beaucoup fait bienfaiteurs. Nous avons, Mathéa, ou est-ce qu'on comprend que nous ne sommes pas capables de compter les bienfaits de Dieu, Mathéa? Oh, et où tu es avec nos expressions bienveillantes là? Ouais, moi, mais, et synonyme, en fait, c'est bienfaisant, ça. Ou t'es well avec nous, ou t'es well fait tout, ou t'es well tout, en fait, c'est ton disposition favorable à l'égard vraiment avec de quelqu'un. Oh, David, t'as cherché au monde bien-aimé. Oh, David, et pendant Saül, vraiment, en fait, t'as cherché, en fait, pour te retirer la vie, mais il t'a gagné une petite. Petite Saül, c'était vraiment Jonathan. Et après la mort de Saül, en fait, de Jonathan, eh bien, en fait, il est entré qu'on a pour la chercher. Est-ce que pas bon monde, en fait, pour le travail, faire un bienfait avec lui? Oh, c'est ainsi. Et là, nous avons fait deux Samuel, de bien-aimé, chapitre 9, là, c'est là, eh bien, c'est le courage de petit Jonathan. Bien-aimé. Oh, c'est ton accueil que David te bali. Au côté, les Siba menaient, mais en fait, les Fibouchek, by David, ils disent, on va même battre tout problème. Et au contraire, tout bien, papa, tout bien, ça y est. Toute faculté quittée, mais en fait, ma baou yo, ma beauté yo. Et puis, à partir d'aujourd'hui, qu'on y a en fait, ou chita pour manger à tabac avec moi chaque jour. Oh, alléluia. Et en dans texte, nous venons de en fait, une théophanie. Moi, mais une manifestation, en fait, de Dieu là, madame, de Dieu avec sur le plan humain. Mathieu, bien-aimé. Oh, Mathéa, et c'est ça, et bien fait. Alors, où est un cœur amoureux, où est un cœur affectueux, là où est pas de haine, et en fait, dans le cœur David. Bien-aimé, même David, ça tout, on va bien, il peut aller, on connaît, et dans la faiblesse, nous, on va bien, il y a des bagailles, nous fait, mais le Seigneur, et comprendre ça. David pral commettre une action, oui, bien-aimé. Suite après, et bien faisant ça, après bien faiteur ça, on voit bien que pral est à prodiguer vraiment à petit Jonathan avec mes filles Bouchette. Eh bien, dans deux temps, j'ai vu 11. Oh, pendant que David, on va mettre l'IA à l'étage sous le balcon, eh bien, il va commettre vraiment fait une infraction. Une infraction grave, bien-aimé. Et ça va coûter, ça que nous, le matin, et ça que les causes et effets, qui fait implication avec conséquences. On va mettre, et il va faire venir, on va mettre, et Madame Uri, il va tomber avec lui. Il pral fait bagaille mdado qu'on a là il pral fait jour rap mettez na tête et à groupe là l'armée et ça ça va coûter même la vie et matin m'invite pour garder texte ça et puis qu'on a fait application adaptation texte ça pour et ben faut me dire moi mais et d'abord, c'est capable de dire avec cœur malveillant ça, cœur qui contrait vraiment avec à bien vivre ça, mon cher, il n'y a pas
faire du tout bien avec David. Oh, ça t'est coûté, ça t'est vraiment très, très coûteux, bébé. Et ça fait matière, bébé. Ouais, mais c'est pour quitter les oreilles ou à l'écoute, pour capable tendre la voix de Dieu, pour capable quitter la parole, bon Dieu, faire route dans le cœur, non. Parce que maintenant, qui t'aime Dieu, tout ce qu'on est qui est mauvais, tout ce qu'on est qui est négatif, c'est dans le cœur qu'on prend l'espace. Et bien, pour cette raison, il dit que dans Proverbe 23, il dit garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Matéa, bien-aimé, en fait, nous invitons parce que on parle ouais, que David parle payer le prix. Il parle payer le prix, bien-aimé. On peut pécher ça sur famille David. David parle qu'on est, on va mettre plus que un cœur envieux, on va mettre un cœur envieux face vraiment à la femme du riz. Et mais ce qu'on a ça, il parle qu'on est au moment de disette, au moment de famine spirituelle. Moi-même, famille, ça, pour qu'on ait un déclin, bien-aimé, moi-même, pour qu'on ait un frère, pour qu'on tombe avec ses, avec celui, moi-même, qu'on n'a pas qu'on ait un cesse. Et puis, frère, pour qu'on tuer frère, moi-même, meurtre, crime. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est ça. Péché, ouais, c'est ça que les causes et effets. Conséquences péché, bien-aimé. Et ça fait matin, c'est pour entrer la caillou. C'est pour disconvenir matin. C'est pour râler parole, bon Dieu. Non. Et puis tout, mais chapitre 8, verset 38, pour dire qu'on y a là. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ouais, ni les anges, ni les dominations. Moi-même, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature, moi-même, ne pourra nous séparer de la bienveillance de notre Seigneur, ne pourra nous séparer de la bonté, de l'amour de Dieu, moi-même, manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour râler parole ça, bébé. Parce que l'on a mangé parole là, l'on a savouré parole là. Oui, elle n'y a pas de cas et je ne cœur. Et ça fait, ça me dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, sœur. Maintenant, le Seigneur, l'invité au matin, bébé. L'invité au. Et la pêche au matin. Et notez, ouais. Également dans 1 Roi chapitre 21, on va mettre nous pas gêta fa application dans lui. On va mettre côté Akab pral envieux. On va mettre il pral envieux. On va mettre en fait de vigne na botte là. Et ça va coûter la vie na botte. On va mettre et ben na botte dit non, m'pap ka ba ou héritage papa moi. On va mettre m'pap ka ba ou héritage grand-parents yo. On va mettre et puis Jézabel vini qu'on y a là et puis le ranger on prend main et puis qu'on y a là l'alena ville là il prend tout ancien tout par Israël et puis qu'on a invité Naboth qu'on a fait dans un jeûne on prend main et vous avez été un piège d'Israël et puis finalement ça va coûter la vie Naboth bien-aimé on prend main parce que à quatre bon cœur envieux on bagaille pas pour ou qui était tristesse chagrin prend ou jusqu'à ce qu'on pas qu'à manger et pour t'emballer pas pour rouler moi-même non moi-même pas de mon cœur comme ça moi-même et ça fait bon Dieu parle pour mon cœur de haine mon cœur de jalousie de mon cœur jaloux mon cœur envieux le Seigneur parle ça oh bien-aimé pour nous terminer moi-même dans 2 Chroniques chapitre 33 texte ça m'invite au pour lire texte ça ou du moins aller dans 2 Rois chapitre 20, bien-aimé. Ézéchias, il n'est pas de petit. Et l'elle est arrivé qu'on y a là pour te mourir. Et puis finalement, on connaît, t'as servi bon Dieu certainement avec intégrité, avec sincérité, avec fidélité. L'elle virait face dans le mur, elle a crié. Eh bien, bon Dieu, vous avez dit, mais pas Isaïe finalement. Bon Dieu a ajouté 15 ans
sur la vie. Eh bien, mon cher, 15 ans, ça, c'est pas trop 15 ans, en bonne mère, qui t'a fait Ézéchiel bien, non? Parce que il va faire un certain Manassé. Et comme dit où, c'était roi qui était plus idolâtre, c'était roi qui était plus criminel dans l'époque ça. Mais bien aimé, regardez le texte pour vous. Dans 2 Chroniques chapitre 33, bien aimé, vous pouvez regarder la liste, côté que tout ça que man met Manassé comme maintenant face bon Dieu. Et je n'ai pas qui drôle, côté bon Dieu réservé, en fait pour l'adorer, man, pour la passer temps lui. Et mais qu'on est là, et mais c'est mettre et bagaille image taille là-dedans. Et bah que bon Dieu, il y a un horreur l'idolâtrie. Et ça fait matin, on comprend bien, c'est des fois bon Dieu fil sauver ou des fois bon Dieu fil retirer au côté là. Pas tourner côté là encore non. Parce que bon Dieu raï, il gagne haine consacrer l'idolâtrie. Et ça fait non Ésaïe 42 il dit que moi, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Moi, je ne donne pas ma gloire. Moi, aux idoles, avec à un autre, même ni mon honneur, en fait, aux idoles. Ma sœur, bon Dieu, raille idolâtrie. Moi, comme et Manassé, tomber à pas adorer couleuvre, adorer nuage. Sacré les moi je dis pas qu'on est que gien chrétien sous lui là qui ka fait pratique sacré les horoscope matin si tu as bon chrétien quoi sous lui là mais qu'on en magie oui on en magie oui on en orgie oui on est idolâtrie oui matin c'est pour tirer de toute histoire ça yo parce que bon Dieu bon cœur bienveillant, bien-aimé. Un cœur de bonté, un cœur aimant. Parce que ça pas fort bien. C'est pas fort bien. Et du tout, il n'y a pas de plaisir du tout avec M. Bon Dieu noir. Matéen, et que le Seigneur lui aide au matin. Que le Seigneur, matin, lui ouvre les yeux sur l'île. Et m'invite pour le texte. Le texte. 2 Chroniques chapitre 33. On met l'île. Eh bien, dans verset 10, 12, 13, là, yo prend Manassé, yo entre Babylone avec lui. Pendant le Babylone, on est là, détresse, tristesse, chagrin, prenez. Et puis là, ils font prière. Et puis bon Dieu prend le tourner avec lui pour aller établir encore dans le royaume là. Oh, voilà un père bienveillant. Et ça fait matin, nous dit, moi avec vous, mais c'est pour nous bienveillants aux yeux de Dieu. Oh, bon Dieu, remet ça, bien-aimé. Lorsque nous repentis, lorsque nous gagnons au mort, lorsque nous gagnons au regret de ça que nous fait le Seigneur. Oh, ouais, en début de tout ça que Manassé fait, oh, le Seigneur, mais avec un cœur compatissant, avec un cœur qui lance dans la colère, un cœur qui est riche en bonté, le Seigneur prend ses grâces. Oh, Mathéa, m'a connu dans qui est à tomber, ou mon qui allait dans loin, bon Dieu, matin le Seigneur, et mes plans pour vous, c'est pas pour perdre. Oh, les mains de pour tourner la caille, le Seigneur. Tourner la caille, mettre. Tourner la caille, cœur, ben, père bienveillant ça, père aimant ça, père affectueux ça, Mathéa. Mathéa, c'est pour le Seigneur béni vous. Matin, c'est pour le Seigneur, matin, continuez à garder vous. Matin, c'est pour le Seigneur, fortifier vous. C'est pour le Seigneur, passer avec vous. C'est pour le Seigneur, bénir vous, richement, abondamment. Mais, et c'est pour garder un cœur bienveillant. Il dit l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Car on connaît, si une table dit contraire là, hein, eh bien, le contraire de béni, eh bien, c'est maudit. Alors, bon Dieu pas fait plein de malédiction pour nous, mais fait plein de bénédiction pour nous. Il n'a pas fait plein de haine pour nous, mais fait plein d'amour pour nous. Maintenant, nous invitons à pointer dans la place. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu fortifier.
C'est pour bon Dieu garder ou. C'est pour bon Dieu bon un cœur obéissant. Un cœur qui soumis. Un cœur qui pour capable garder communion, relation, intimité avec le Seigneur. Mon qui t'a allé loin le Seigneur matin. Le Seigneur considère au matin comme monde qui tournait parce que t'es mort. Oh, mon qui t'est perdu. Le Seigneur retrouve le Seigneur dit, il joue nous, il retrouve au matin. Oh, matin, mais c'est que le Seigneur les bénit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Shalom, shalom. Bonne journée. Amen. Amen.